Ah, le vent. Les embruns, cette odeur de sel, cet air frais et humide sur le visage. C'est Vindicaire, et vous êtes sur Naval Action. Alors, je maintiens le cap. Bateau, cap, vous avez compris. Je suis encore malade. Blague à part, j'avais dit qu'on testerait le deuxième bateau premium, et le voici, l'Endymion donc. Alors, j'ai fait quelques achats, forcément, hein, puisque j'ai dû l'équiper de canons. Alors, ce sont des caronades classe 4, donc elles seront moins puissantes, normalement, que ce que j'ai sur mes deux autres navires. À voir. On verra comment ils se comportent, parce que, vu le nombre de cordages qu'il a et le nombre de voiles, je pense qu'il peut être assez maniable, surtout qu'il est plus petit que les deux autres. On verra bien comment ça se traduit dans le combat. Et j'arrive sur les lieux de ma mission. Une fois de plus, très bon jeu. Hein. Si vous cherchez un jeu détente à faire tranquillement devant le PC, pas de prise de tête, n'hésitez pas, Naval Action est pour vous. Bien sûr, faut aimer ce style, mais personnellement, ça me plaît et je pense que c'est vraiment un bon concept, on va dire, parce que pour l'instant, le filon est inexploité, hein, les combats de galions. Et c'est vrai que, enfin, à ce niveau-là, parce que là, je veux dire, c'est comme comparé au War Thunder à World of Tanks, en termes de graphisme, vous retrouvez des jeux style bateau, mais vous n'atteindrez pas à la qualité de Naval Action. Hein. Pardon si je heurte la sensibilité des waters. Moi aussi, j'ai été un World of Tankiste pendant longtemps. Mais plus maintenant. J'ai changé. Alors, comme sur l'autre, pas de canon à l'avant, pas de canon à l'arrière. J'avais pas assez d'argent pour ça. Je suis pas beaucoup à l'achat. Alors déjà, on va voir ce qu'il donne en vitesse de pointe. Eh ben, c'est pas mal, hein. On dépasse les 10 km/h. Je suis en plein virage. C'est pas mal du tout. Ah, et je suis face à un renommé, donc c'est pas de la merde, hein. Je le connais bien, c'est mon ancien navire, avant que j'aie le Constitution. On m'a déjà bien amoché le flanc, d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas, hein. C'est un bon bateau. Il m'a niqué là. Mais je suis dans son dos, il peut rien faire.
Allez, tour Monroe. Ah, il m'a fait 4 brèches, cet enfoiré. J'aurais peut-être dû prendre un kit de réparation, moi. Alors, première observation, déjà il est beaucoup moins résistant que les deux autres. Hein. J'ai pris une pêche dans la gueule. En même temps, je pensais pas tomber sur un renommé. C'est comme du lourd. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a comme canon cet enfoiré, mais putain, il envoie. Hein. Pas suffisamment de dommages à cet enfoiré. Bon, à cette distance, apparemment, il a du mal à me percer aussi. Il y a pas mal de boulets qui ricochent là. Au même tour, ricochet d'ailleurs. Ah, faut que je tourne plus serré que lui. Il m'aura avant. Et du coup, j'étais pas en bonne position pour tirer. À réduire la voilure. Ah ah ah, ma casemate arrière. Foiré, je le perce pas. Falloir jouer un jeu dangereux à se rapprocher. J'ai pas traité, connard.
On se croise trop vite à chaque fois. Par contre, cette andouille s'est mise face au vent. Une carte à jouer là. Il a tiré trop de vent. Accélère, accélère, accélère mon beau. Ces putains de canons que je peux pas baisser. Allez! 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 Putain, va te faire foutre. Une salve gratuite pour rien, quoi. Je sais, t'aimes pas quand je tourne comme ça. Viens tout de suite. Enfin. Et encore, j'ai 75% de ma salle qui est passée derrière. J'arrive trop vite sur lui à chaque fois. Mais j'ai pas le choix, faut que je reste mobile. Passe au rond là. Oh genre, il arrive à me percer, putain.
Mais descends ces putains de canons, bordel de merde! Allez, descends ta mire. Encore. Encore, c'est pas assez. Voilà. Défonce cet enfant. Parfait, vas-y, continue comme ça. Je suis presque flingué l'arrière. Ça va être à l'arraché cette bataille. Non! Pas mon capitaine. Vas-y, continue de ricocher sur le flanc. Très bien. Qu'est-ce qui m'emmerde? Il m'a cassé le cul. Mais il fait du surplace, le mec, quand il tourne. Comment ça se fait?
Ben, un bateau, c'est un Fenwick qu'il a. En plus, il est toute voile déployée. J'arrive pas à tourner. Le mec, il tourne 10 fois plus vite que moi. Quand même. Je vais me dire que je l'ai pas touché là, à cause de cette petite vaguelette de merde. Et sinon, c'est à quel moment que tu décides de bouger? Ou 3 km heure Oh là là. Je me fais mettre une branlée. J'arrive plus à tourner. Bah, je crois que je vais aller tout droit et je vais me barrer parce que j'ai pas envie de risquer mon bateau premium. La fuite. Hélas.
Eh ben, c'est la première fois que je me fais plier comme ça en combat. Hein. Mais je m'attendais pas à tomber sur un renommé. C'est vraiment un très bon navire. Mais par contre, ça m'étonne qu'il soit tellement plus manœuvrable que moi. Désolé à tous, mes viewers, mais j'ai pris la courageuse décision de fuir. Bye, renommée. Mais à coup pas, hein, c'est ma faute. J'aurais dû prendre un kit de réparation. On va rentrer au port qui est juste derrière. Je vais réparer. Et je vais laisser mon équipage récupérer de cette humiliation. Parce que là, pour le coup... J'ai failli à ma tâche de capitaine. Et oui, les amis, devant vos yeux ébahis, je viens de me chier dans les mains. Et on va se prendre une petite mousse à la moussette. Alors bizarrement, je préfère quand même l'indéfatigable et le renommé. Hein. Le Constitution. Je sais pas pourquoi, mais... Non, il est très bien, l'Endymion, mais j'ai... Je l'ai pas suffisamment équipé pour partir au combat comme ça. Et ne le connaissant pas, j'aurais pas dû commencer par une mission de si haut rang. Je reconnais tout à fait mes torts. Et sur cet échec, je vais m'arrêter là, parce que c'est bon. J'ai suffisamment perdu d'hommes et j'ai suffisamment sali mon honneur. Donc, bah, j'espère que cette défaite vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une victoire la prochaine fois. Enfin, du moins, je l'espère. C'était Vindicaire et c'était pour vous. Allez, à très bientôt dans un prochain épisode de Naval Action. Ciao à tous et bonne soirée.